Ben, bonjour, hein, bonjour la Guadeloupe, bonjour les frères et sœurs, les églises chrétiennes de la Guadeloupe. Tout ça est qu'à évangéliser l'Éternel, hein, tout ce qui évangélise la parole de Dieu. Mais quand je dis la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est le message en lui-même. C'est le message que Dieu nous donne. Et comment il intervient pour nous permettre d'avoir une autre vie. Ce message, je dis vraiment bonjour. Bonjour et gloire à l'Éternel, parce qu'il faut glorifier l'Éternel dans les moments, surtout difficiles. Dans ces moments où nous traversons cette mer agitée, où l'Éternel intervient. Dans ces moments où il étend son bras. Et ce bras droit, ça doit qu'il étend pour nous, pour permettre à cette mer agitée de pouvoir s'arrêter. Car il est le Dieu du Créateur du ciel et de la terre. Ben, je dis là, frère et sœur, moi, que mon Dieu a vraiment fait l'obitain. Font l'obitain parce que le groupe là a présenté, c'est la postérité, le temps de réveil de la postérité. Que nous avons alliance avec le temps de réveil de la Martinique, le pasteur Alain Villain et le pasteur Logé. Mais c'est mon Dieu qui permettait les choses faites, pas ni rien qui fait fausser. Pas ni rien qui fait par la chair en lui-même. Et c'est pour ça qu'il a dit, ne marchez pas selon la chair, marchez selon la volonté, qui est la volonté de l'esprit, ce qu'on appelle l'obéissance même de la parole, l'obéissance même d'une puissance qu'on ne voit pas. Et c'est là qu'on peut dire dans la prière, j'appelle ce qui n'existe pas l'existence. Donc, vous connaissez déjà le nom, vous connaissez déjà le prénom. Et je présente la postérité, hein, la postérité qui est le frère Claudie, la postérité qui est cet enfant où Dieu l'a touché dans sa chambre, où Dieu l'a permis vraiment la conversion, l'enseignement du Saint-Esprit, où Dieu vraiment a fait un travail extraordinaire. Et il y a qu'à dire au monde que bon Dieu peut faire un travail avec les autres. Et le thème de le thème qu'on a aujourd'hui et dimanche, peut-être bientôt, c'est « Viens et vois ». Viens et vois parce que fais-nous voir ça, bon Dieu, qu'a fait. Viens et vois, viens voir ça, bon Dieu, fait. On va un jeune petit qui a dans la chambre. Vini et vois. Vini et vois. Et que Dieu a déjà fait pour beaucoup la guérison des cancers, la résurrection des gens qui étaient pratiquement à la mort, la résurrection des pensées, la résurrection d'une famille qui était dans la guerre. Mais il nous appelle à l'obéissance. L'obéissance, c'est la voix. Et la voix qu'il dit. C'est la voie resserrée et étroite. La voie resserrée et étroite, c'est de vraiment mener nous. Mais à un moment-là, ça veut dire qu'il a décidé, qui n'est pas lui-même, de montrer gloire. Mais moi, à travers moi, que mon Dieu a montré l'obité. Parce que, entre un monde qui peut-être était rebelle, entre un monde qui n'était pas écouté, entre un monde qui était un genre qui était vraiment à une position qui n'était pas enchimée à l'Éternel. Mais l'Éternel fait de moi, je là, un témoignage vivant pour la Guadeloupe, mais un témoignage vivant pour beaucoup d'autres, et un témoignage vivant pour la famille en moi. Parce qu'il y a l'église qui a commencé déjà à casa. Amen. Et je dis là que Jean Bondier a fait un témoignage vivant pour Claudie, pour la famille. Et de là, il n'y a pas tout le monde qui a compris. Mais c'est Bondier qui a changé. Parce qu'il a dit, vas-y. Comme il a dit à Moïse, aïe délivrer Pépaï. Eh bien, il dit nous, aïe délivrer Pépaï Jodla. Aïe parler Bayo. Aïe dire que Jodla vient chez eux pour délivrer les autres dans les mains de Pharaon, dans les mains de l'Égypte, dans les mains dans ce ténèbre. Et bon Dieu est capable de voir en ténèbre là et de tirer et tirer avec d'autres âmes pour pouvoir délivrer. Parce qu'il connaît que Pépaï a crié, qu'a souffert. Parce que le peuple israélite a souffert. Le peuple israélite a souffert. Et Jean-Moïse a demandé qui suis-je pour y aller? Parce que Moïse va dire qu'on est parlé. Et le livre d'Exode 3, 4, 10, vas-y, Claudie. Verset 13. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Stop. Dieu dit à Moïse, tu parleras à Pharaon. Dieu dit à Moïse qui Jean va y parler à Pharaon, le Dieu d'Isaac, le Dieu de vos pères, le Dieu de l'éternité. Est-ce qu'il dit que son bon Dieu aboie? Est-ce qu'il dit son bon Dieu à idolâtrie? Amen. Est-ce que c'est ça il dit? Tu parleras à Pharaon. Mais c'est extraordinaire. Voici un homme qui a fui l'Égypte, qui a fui et qui était dans le désert. A mes familles, moi, ni on l'homme était dans le désert là, parce que moi aussi, on était dans le désert. Et Jean m'a dit, ôtez-moi dans le désert, tirez-moi dans le désert. Mais comment les autres gens là, ils sont capables de tirer les autres aussi dans le désert. Après, on a publicité, manifestation de publicité. Mais il appelle à quelque chose qui est formidable. Il appelle à quelque chose qui est formidable. Continue, Claudie.
Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez dit que vous avez dit vous ne comprenez pas si vous avez crié l'Éternel, il pas vous. Vous ne comprenez pas si vous avez caché n'importe côté. Et que mon Dieu a une capacité qui est qui est vrai. Amen, amen. Après, on sait le vrai, les sept peuvent vrai. Mais il y a encore des agents de l'Éternel qui sont les anges qui sont vrai. Parce que tellement il y a crié à nos souffrances. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la chair qui le fait? Non. C'est volontaire qui a fait? Non. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Adam. Parce que c'est en faiblesse là qu'il a accompli puissance. Et gardez bien qui j'ai dit, allez, parce que Pepe a souffert. Pepe a souffert. Famille, mon nid, là où il est là, mon Dieu attend vous. Et mon Dieu attend souvent ça. Mais je dis là, il a dit vous concernez un groupe de postérité. Mais il a dit vous concernez la postérité. Et qui j'ai fait d'Abraham mon postérité. Et qui j'ai fait continue la postérité là de Noé à Moïse. Et qui j'ai bon Dieu travaille. Mais il a dit vous concernez là où il a souffert, là, il a vrai et il attend vous. Vas-y. Amen. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Dans un pays, c'est là qu'il voulait mener. Parce que quand vous venez regarder, venez, viens et vois, viens et vois. Parce que là, je là, il voulait bao. Le lait, le miel. Ah. Il voulait faire passer aussi par le feu. Pas comprendre qu'il y a eu vini en chiméaï et que tu chez le lait et le miel. Parce que c'est comme si on va à casa ou et on va dire vous avez basté. Mais avant il veut basté, on va ni voir combien il stoppe, quoi faire, combien de temps, quoi ton autre soir, combien. Comment au moment, parce que vous avez basté, parce que nous mangeons, puis vous avez basté, peut-être que l'argent pour toucher. Mais il a dit vous comme ça, qu'il a tant de vous. Mais puis menez-vous là, ou non, moment d'imploration. C'est ça, mon Dieu a dit. Écoutez bien dans le livre d'Exode. Il a expliqué qu'il a fait passer des moments difficiles là ça. Passer par des moments d'imploration et d'évocation, mais passer par des moments aussi d'humilité. Passer aussi par des moments de prière, parce qu'il te dit de prier sans cesse. Regardez bien dans le livre d'Exode 3, le peuple israélien, le peuple hébreu, dans une souffrance, Moïse qui j'ai été, ça n'a pas été évident pour Moïse. Est-ce que Moïse pensait parce qu'il voyait bon Dieu non buisson ardent? Ah ben moins j'ai là. Je ne comprends pas que ça, on dit qu'il est irréel. Mais il n'est pas irréel, frère. Moi. Famille, moi, il n'est pas irréel. Adam, on dit ça dans notre mémoire, à casa, moi, Adam, salon, on voit le feu de l'Éternel qui a tourné. Et ça, qui a dit là, son témoignage vivant. Amen. Des feux qui a pétaillé, des lumières qui a pétaillé, en pas de bouger. Ah ben, je dois là, mon Dieu, capable de faire ça. Bas. J'ai mon Dieu qui a transformé. Mais j'ai montré aussi manifestation à lui. Jean la lumière aura venu à vous. Et voici ceux qui ont vu la lumière, mais ils l'ont pré-reçu. Et ceux qui l'ont reçu ont été sauvés. Et c'est ça qu'il voulait dire aujourd'hui. Il dit comme ça, pour sortir en Égypte, ou faire passer par le feu. Et c'est bien des heures là. Continuez vraiment. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Alléluia. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Gardez ça bien, Gaïgadi. Exode, dans le livre d'Exode 4, verset 27. Verset 27. Alors, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les... Voilà. Gardez bien. Il dit à Aaron, va dans le désert, au devant de Moïse. Mais regarde aujourd'hui là, aille en désert là. Aille en désert là parce qu'il y a un bien qui est manifestement puissant, qui est manifestement extraordinaire. Et regarde, vous venez, viens et vois. C'est un désert là, partie des déserts là, que vous commencez à lever. Remarquez bien que l'or a un moment difficile, vraiment.
Là, il y a un moment qui n'a pas de bon monde qui a touché. Il suffit seulement de crier non à Jésus. Il suffit seulement de crier non à l'Éternel. Ou fermer un chemin. Parce que on disait là, tout seul, il n'y a pas ni maman, ni papa, ni madame, ni frère, ni timouna, ou bon monde qui a sauvé. Mais c'est lui seulement. Mais il a voyé un ange devant. Et il a voyé un partenaire. C'est pour ça qu'il a expliqué. Dans la prière, quand il dit la prière, il fait vendre cela d'une grande efficacité. Amen. Il a dit qu'il a Élie qui a accordé la prière. Mais vous accordez la prière. Accordez le moment là, ça que mon Dieu capable de faire. Viens et vois. Viens et vois parce que vous voyez Jean mon Dieu qui a fait miracle. Viens et vois parce que vous voyez Jean mon Dieu capable d'être touché. Parce qu'il est touché en l'eau. En l'eau, mais il n'y a pas de capacité de témoigner devant mon Dieu. Mais mon Dieu a dit où? Il connaît qui est capable de parler, à qui est capable de toucher. Parce que c'est ça qu'il fait par Moïse. Alléluia. Amen, continue. Amen. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta tous les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alléluia. Ils apprirent, regardez bien ce qu'il a dit, visiter. Jean mon Dieu, visiter. Jean mon Dieu, qu'a visité ton peuple. Jean mon Dieu, qu'a visité ton petit monde. Jean mon Dieu, qu'a visité les enfants d'Israël. Amen. Est-ce qu'il est allé dans le ciel? Il partit d'un sel et il créa de plusieurs membres. Il partit d'un sel et il fait délivrer. Le plus grand prédicateur du temps a été Moïse. Et Moïse ne peut même parler. Il ne peut pas parler. Et fait il prend Aaron à côté de Moïse pour te permettre Moïse de vraiment à délivrer le peuple d'Israël. Et qui on voit vraiment capable de faire. Parce que mon Dieu voulait délivrer l'eau là. Non, l'eau monde que mon Dieu voulait délivrer. J'observe à part l'eau qui restait cachée, à part l'eau qui mettait au cas crier. Parce que mon Dieu a pas, il pas dit à y vrai serviteur. Mais moi pas besoin de serviteur parce que ni le pasteur n'a pas besoin de serviteur. On veut être l'ami de Dieu parce que lui il est l'ami de Dieu. Mais moi je veux être l'ami de l'Éternel. Amen. Et car on sait plusieurs membres dans un seul corps. Et le plusieurs membres dans un seul corps, il explique le Saint Esprit, le Fils et le Père. Amen. Ça veut dire que mon Dieu a développé encore à travers ça. Et qu'a dit, gardez bien ça, qu'a dit. Il y aura deux fois. Et j'ai qu'à voyer. Et j'ai qu'à voyer délivrer le peuple d'Israël. Jodla, mon Dieu, voulait délivrer aux familles à moi. Il voulait délivrer aux familles. Il voulait délivrer au peuple. Peuple Guadeloupe, écoutez, mon Dieu, voulait délivrer aux autres. Guerre, souffrance. Les temps d'oppression, les autres zones. Et Jean, bon Dieu, capable de faire. Jean, il délivrait, il voulait délivrer la Martinique aussi. Ça veut dire, bon Dieu, en train de faire une union. Et cette unité, c'est à travers l'unité qu'elle fait notre travail. C'est à travers l'unité pour nous comprendre. Arrêter de pouvoir juger ou critiquer. Qui es-tu pour juger les autres? Afin que tu ne sois préjugé. Parce que le Christ qui a dit ça aux pharisiens. Mais regardez, Jean, mon Dieu, qui a parlé à travers tout ça. Parce que le peuple d'Israël, qui a crié aux souffrances, et le peuple d'Israël qui a besoin de vraies manifestations à l'Éternel. Amen. Mais il a dit, vini, vini. La postérité, parce qu'Abraham n'a pas postérité qui a descendu. Amen. Et puis, il refait en d'autres postérités, renaît encore, parce que c'est les 7000. Voici l'élection. Les 7000. Ça veut dire que mon Dieu a dit, lui, ou pas tout seul. Parce qu'on l'a compris tout seul, mais mon Dieu a dit, ou pas tout seul. Encore, vous voyez, tirer dans la Bible, dans le désert, pour permettre d'être levé. Mais il faut faire classe. C'est comme ça, là, on met pas bien. Ah, mais on a un moment de classe, on a un moment d'épreuve, on peut pas être adjudant jour de là, on peut être capitaine dans le même moment là. Amen. Mais il y a un monde qui a voyé puis enseigné. Qui est-ce qui a voyé puis enseigné nous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comment il a délivré le peuple d'Israël? Viens et vois. Mais viens et vois la manifestation de la puissance de Dieu. Viens et vois comment Dieu fait des miracles. Viens et vois comment Dieu a déjà guéri. A déjà guéri. Et il continue à guérir. On ne peut pas dire à travers moi, parce qu'on ne peut pas raconter. On peut dire à travers manifestation. On ne peut pas dire à travers moi, parce qu'on ne peut pas demander qu'on puisse adorer moi. On ne peut pas 6 mois pour appuyer. Parce que l'église, c'est plusieurs membres qui ont parlé là. Ce sont l'esprit de l'Éternel. Qu'elle a accordé la chair. Il a permis de former un seul corps. Mais un seul corps sur le Christ. Mais là, il a dit, Moïse n'est pas tout seul. Moïse n'est pas tout seul. Et ce peuple-là, c'est mon qui a crié aujourd'hui. Il a dit qu'ils n'ont pas tout seul. Seulement accordé au vrai cep. Seulement accordé au Christ. Seulement accordé comme Moïse fait à l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant le premier verset, Moïse répondit. 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main?
Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Ah ben, quoi vrai, bon Dieu, nous avons verge, il y a un bâton. Et le bâton là, c'est pour aller délivrer. Le bâton là, c'est meilleur. C'est la puissance de Dieu. Mais il y a une épée qui langue. Et ça, il a dit, pas abîmer ça. Amen. Pas abîmer. Vini, vini, viens et vois. La postérité, c'est fait de l'Éternel. La postérité n'appartient point à aucun homme. Le temps de réveil de la postérité appartient à l'Esprit de Dieu. Viens et vois. Vini ou que vrai. Parce qu'il n'y a pas une autre vie à dire. Mais vini pour vraie manifestation là. Vini. Pas garder les gens habillés. Pas garder les gens taillés. Mais vini parce qu'il y a un chair seulement. Bon Dieu, il y a un vêtement. Un vêtement pour comprendre. Mais il y a un oreille. Il y a un yeux. Il y a un pensée. Il y a un nez. Mais il est là pour inspirer par le souffle de vie. Monde ne peut pas continuer, fait grève du souffle de vie. Ça veut dire que la respiration appartient à l'Éternel, vini et vrai, alléluia, et en cas de autres comme ça, vini dimanche matin, zoke vrai, parce que ça veut dire, et zoke vrai, manifeste ça veut dire, parce que je ne sais pas, là, ça c'est vraiment l'esprit à l'Éternel. Ou pas besoin d'entrer en pilotique parce qu'elle est bas plus tout ça, mais on dit qu'à surdimensionner ça. Famille en moins. Mais ou quand tu as pas vendu quoi faire mal à mais jodi là seulement au nom de Jésus ou guéri viens et vois. Alléluia, amen. Il y a quatre autres peuples à n'importe là à dimanche et nous que vrai et nous que continuer vrai nous dans les émissions mais nous aussi nous que continuer vrai nous au moins six places en l'église là vini et ce que vrai. Alléluia, amen, amen.